Yo les potes, si vous regardez bien, dès que la vidéo a été lancée, je viens de faire un kill avec mon carton. Malheureusement, ben, je pensais pas que j'allais finir la mission aussi vite. Je viens de mettre un 200 dans la tête, donc bon, comme faut mettre 200 de dégâts, voilà. Donc voilà, j'arrête de parler, je vous explique le défi que je viens de terminer. Vous devez utiliser un carton trompeur pour faire des dégâts. Alors déjà, pour ceux qui ne le savent pas, vous pouvez tirer à partir des cartons trompeurs. Vous pouvez pas juste vous déplacer et vous cacher. Si vous prenez une arme et que vous visez avec, vous sortez du carton, juste la tête comme ça, et vous pouvez tirer sur les ennemis. Et c'est comme ça qu'on doit faire des dégâts avec. Donc regardez, vous vous mettez dedans. Hop, vous visez. Et là, regardez, vous mettez des dégâts à qui vous voulez, etc. Donc les cartons trompeurs, il y en a en objet, item vert. Regardez, vous pouvez les jeter comme ça. Vous pouvez directement... Hop, comment ça marche? Non, on peut se les jeter comme ça, ok. Mais cet item, il est assez compliqué. Donc ce que je vous conseille, c'est d'en trouver. Regardez, il y en a partout. Dans à peu près toutes les villes, etc. Vous vous cachez dedans. Et voilà. Faut mettre 200 de dégâts. Donc une balle de snipe dans la tête. Et voilà. Sur ce, likez, abonnez-vous. Et pensez au code créateur NSQ de la boutique. Allez, ciao!